Bonjour, je m'appelle Karina Huber et je me trouve au Mali, en Afrique occidentale. Un pays très loin de chez nous et un pays que l'histoire semble avoir oublié. Je suis venue ici avec Vision Mondiale pour vous montrer comment les enfants vivent ici et comment je peux aider. Je vais vous montrer des histoires incroyables d'enfants africains exceptionnels. Et vous verrez toute l'aide que les Québécois apportent en Afrique lorsqu'ils parrainent un enfant avec Vision Mondiale. Mais tout d'abord, je veux vous montrer la vie de deux jeunes filles qui, comme des milliers d'autres en Afrique, luttent pour leur survie. Maria et sa cousine Bernadetta sont les meilleures amies du monde. Comme les autres enfants, elles aiment courir et jouer. Cependant, derrière leur sourire et leur rire, il y a un fond de tristesse et de désespoir. Maria vit ici, dans cette maison très simple, avec sa mère Christina et sa petite sœur Jane. Son père a abandonné sa famille il y a un certain temps et Christina fait de son mieux pour s'occuper de ses filles. La malnutrition a déjà emporté deux de ses enfants et ses filles sont tout ce qui lui reste. Christina a un petit lopin de terre où elle essaie de faire pousser de quoi manger. Mais année après année, le manque d'eau détruit ses récoltes. Elle n'a pas assez de grains pour nourrir ses enfants pendant toute la durée de la longue et chaude saison sèche. Il ne lui reste qu'un panier de semoule de maïs qui lui durera que quelques semaines encore. Lorsqu'elle n'aura plus rien à manger, son seul moyen de gagner l'argent nécessaire pour acheter de la nourriture sera de couper du bois et de le brûler dans le sol pour qu'il se transforme en charbon. Si elle a de la chance, après quelques jours, elle pourra en vendre un petit sac et se procurer de quoi préparer un repas. Il faut marcher des heures pour se rendre au marché local et elle doit souvent laisser ses filles à la maison sans rien à manger. Au terme d'une dure journée de labeur, Christina fait de son mieux pour apporter à ses enfants leur unique repas de la journée. Elle moule le grain et fabrique une épaisse bouillie de maïs. Ce plat leur remplit l'estomac et élimine la douleur causée par la faim. Mais il n'est pas très nourrissant. Aujourd'hui, Christina ne mangera pas. Comme ça, ses provisions dureront plus longtemps. Il est clair que cette mère veut le meilleur pour ses enfants. Elle a peint sa maison avec amour pour qu'elle soit gaie. Mais rien ne peut masquer la réalité. Il n'y a pas suffisamment de nourriture pour survivre. Les filles ne sont pas conscientes du danger qui les guette. Mais Christina, elle, l'est. Elle pleure encore ses enfants morts. Et aujourd'hui, elle a peur pour Maria et Jane. Lorsque Blandina Swawali, une employée de Vision Mondiale, est allée rendre visite à cette famille, elle a pu constater que la malnutrition avait déjà commencé à miner la santé de Maria. Ses cheveux commencent à tomber. Son ventre est enflé à cause du manque de nourriture. Et on peut voir à sa peau blanche et écaillée qu'elle a des carences en vitamines. Elle n'est jamais allée chez le médecin. La situation est critique. Tout ça est causé par une alimentation mal équilibrée. Et c'est comme ça partout dans ce village. Si elle ne peut pas recevoir une alimentation équilibrée, elle va mourir. L'eau que Maria et sa sœur boivent provient de ce trou d'eau peu profond. Cette eau est répugnante et infestée de parasites et de bactéries. En fait, elle les rend plus malades. Christina a le cœur brisé. Elle voudrait tellement que ses filles mènent une vie totalement différente de la sienne. J'espère que leur vie sera meilleure que la mienne.
je serai triste de savoir qu'elles emprunteront la même voie que moi. Aidées par un parrain, Maria, Bernadetta et Jane pourraient vivre une vie meilleure. Elles pourraient aller à l'école. On pourrait creuser des puits qui les approvisionneraient en eau potable. Les mamans comme Christina peuvent recevoir des graines et des outils, ainsi que de la formation et du soutien afin de pouvoir faire pousser des aliments nutritifs tout au long de l'année. Avec votre aide, la tristesse et le désespoir peuvent céder la place à un nouveau champ d'espoir. Mais cela commence lorsque quelqu'un comme vous décide de prendre la main d'un enfant et de devenir son parrain. Appelez-nous maintenant. Les prières des mères sont tellement simples. Elles veulent que leurs enfants survivent, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient une meilleure vie que celle qu'elles ont eue. Au lieu de cela, elles enterrent leurs bébés parce qu'elles n'ont pas de quoi les nourrir, parce que l'eau n'est pas bonne ou parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour des médicaments. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Il ne s'agit pas de dire « comme c'est triste » ou encore « ce problème me dépasse ». Vous pouvez agir dès maintenant pour qu'un enfant ait de meilleures chances dans la vie. Et en faisant cela, vous contribuez à rendre le monde meilleur. Il suffit d'un dollar par jour et d'un petit peu d'amour dans le cœur. Croyez-moi, vous pouvez changer la vie d'un enfant et votre propre vie s'en trouvera changée elle aussi. Alors n'hésitez pas, appelez dès maintenant. Depuis 6 ans, Sandrine Martin parraine un enfant du Mali appelé Alassani. Elle et ses filles Laetitia et Natacha sont heureuses de voir grandir l'enfant par ses photos, ses lettres et ses dessins. Ah oui, là, il était tout petit quand on a commencé à le parrainer. Quand on reçoit le paquet de Vision Mondiale avec le petit dossier de l'enfant puis la photo, c'est super parce que vraiment, c'est là qu'on peut s'attacher à l'enfant et puis de voir de quoi il a l'air, puis le montrer aux enfants. On l'avait affiché sur le frigidaire. Dans les lettres qu'on reçoit, l'enfant nous dit toujours que c'est un bienfait parce que ça lui permet d'aller à l'école, ça lui permet d'avoir des graines de légumes pour commencer un jardin, ça lui permet d'avoir des jouets à son anniversaire, des habits, d'être en bonne santé parce qu'il y a un suivi médical qui se fait. Donc on sait que vraiment le parrainage, ça apporte quelque chose là-bas, là, de matériel. Et puis, il y a aussi, je pense, un bienfait, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans un autre pays qui pense à lui, puis qui lui envoie des choses, des bonnes pensées, même des petits crayons quand c'est la rentrée des classes. Je pense que l'enfant se sent supporté et moins seul au monde. Mais on reçoit aussi des dessins et des lettres. On envoie des petites autos à la Sani, on envoie des cadeaux, puis des dessins aussi, des fois. Des photos de la maison quand elle est couverte de neige pour leur montrer ce que c'est. Je ne sais pas s'ils peuvent imaginer, mais... À la Sani, nous pensons bien à... Pendant sa visite au Mali, notre équipe a passé quelques temps avec Alassani et a rapporté au Martin au Canada une copie de la cassette vidéo. Grâce à la famille Martin, la vie d'Alassani a été transformée. La formation en agriculture de son père les a aidés à cultiver un potager qui procure à la famille des aliments sains et nutritifs. Alassani est en 6e année et étudie très fort. Il aide aussi son père à construire des maisons dans le village. Mais son activité favorite est de jouer au soccer. Bien fait, c'est vraiment un artiste. Un des aspects uniques de la vie d'Alassani, c'est sa relation avec la famille qui le parraine au Canada. C'est vraiment super.
un très beau souvenir du Mali pour vous. Et on va ramener ça, on le rapporte au Canada, comme ça vous pouvez le mettre sur votre mur. Oh, super. Voilà. Félicitations. Voilà. Alors, ok, peut-être sur le bouton ici, c'est ça? C'est moi, ici. Allô? Alors, Alassani qui est derrière la caméra, il est en train de faire un petit tour de son village, juste pour vous. Karina, Alassani. Ben, ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est que sur la vidéo, on voyait qu'il avait gardé comme nous tout le courrier qu'on lui avait envoyé, puis les photos qui datent maintenant de 4-5 ans, là où elles étaient toutes petites. Et puis, regarde, il a encore ces photos-là. Il fait comme nous, finalement, là, il collectionne tout ce qu'on envoie. Bah, c'est comme s'il faisait partie de la famille, comme s'il était là avec nous. Donc ils ont peint ça sur le tissu. Pour moi, Alassani fait partie de la famille. Finalement, on s'aperçoit que quand Vision Mondiale intervient dans un village, c'est tous les enfants qui en bénéficient, que ce soit pour le jardin potager ou pour creuser un puits pour l'eau ou faire une école. Donc c'est vraiment bien que... lui, c'est sûr qu'en particulier, c'est lui qui reçoit les petits cadeaux ou la lettre ou les photos qu'on lui envoie. Mais toute la communauté en bénéficie, donc c'est ça qui est bien. Et oui, ça fait une différence et on va continuer à le faire encore longtemps. Et c'est une bonne chose aussi à montrer à nos enfants, parce que si on le fait, nos enfants vont le faire plus tard. Et dans l'optique d'avoir un monde meilleur, si tout le monde fait sa part aujourd'hui, je pense que dans les générations suivantes, les gens vont être plus conscients qu'il y a des différences et qu'il faut lutter contre la pauvreté, contre les différences. Et que $1 par jour, $2 par jour, c'est rien là, quand on peut se le permettre. Là, puis ça fait chaud au cœur. Quelqu'un qui voudrait parrainer un enfant aujourd'hui et puis qui hésite encore, moi je lui dirais n'hésite pas, parce que c'est vraiment une belle expérience. Ça change notre vie, ça change la vie de l'enfant. C'est une ouverture sur le monde, c'est ouvrir son cœur aux autres. Il faut le faire tout de suite. N'attendez plus. Vous avez probablement déjà pensé parrainer un enfant. Eh bien, agissez. C'est le moment d'appeler. Plus que jamais, des enfants attendent un parrainage de Vision Mondiale. Le parrainage d'un enfant lui assure des soins de santé adéquats, une éducation et de l'eau potable. Votre parrainage peut également aider toute une famille à cultiver ses aliments ou à pourvoir aux besoins urgents. Vous faites réellement une différence dans la vie de ces enfants, car vos dons et ceux des autres parrains et marraines servent directement à combattre la pauvreté à sa source. Vos dons aident la communauté à prendre soin d'elle-même. Vous pouvez faire tout ça pour environ $1 par jour. Faites confiance à Vision Mondiale. Vision Mondiale aide les enfants depuis plus de 50 ans. Des centaines de milliers de Canadiens ont parrainé et parrainent un enfant avec Vision Mondiale. Lorsque vous appelez, vous pouvez choisir de parrainer une fille ou un garçon, choisir son âge et même son pays d'origine. Dans quelques jours, vous recevrez une trousse de parrainage accompagnée d'une photo en couleur et de l'histoire personnelle de votre enfant. Vous obtiendrez également une brochure qui répondra à vos questions et un rapport financier expliquant l'utilité de vos dons. Mais ce n'est que le début. Bientôt, vous recevrez une première lettre de votre enfant qui vous en dira un peu plus sur sa vie. C'est le début d'une relation qui changera votre vie à jamais, à tous les deux. Nous vous enverrons des cartes de souhaits personnalisées à signer et à envoyer à l'enfant que vous parrainez. Vous recevrez, par exemple, une carte de Noël, un ensemble scolaire pour le début de ses classes et un petit cadeau pour son anniversaire. Il vous sera ainsi facile de rester en contact avec lui. Nous vous enverrons aussi un rapport annuel de ses progrès scolaires et une nouvelle photo chaque année. Vous pourrez constater à quel point votre enfant bénéficie de vos dons et vous chérirez chaque lettre qu'il ou qu'elle vous enverra. Faites votre don au moyen d'une carte de crédit ou de chèque mensuel. Ce moyen simple et pratique permet à Vision Mondiale d'éviter des frais et de mettre plus d'argent au service des enfants. Parrainer un enfant s'avérera peut-être l'expérience la plus enrichissante de votre vie. Sachez qu'en tout temps, vous pourrez annuler votre parrainage et soyez assuré que vous aurez fait une différence. Allez-y, les téléphonistes attendent votre appel. Prenez le téléphone et parrainez un enfant. Faites une différence qui durera toujours.
maintenant vous amener dans un autre pays d'Afrique occidentale, le Niger. Le désert du Sahara s'étend sur la majeure partie de ce pays. C'est un lieu cruel et sans merci où les enfants meurent de faim et de maladies par milliers. Pour les petites filles, la vie est particulièrement difficile. Ramatou, 7 ans, est venu puiser de l'eau au puits qui se trouve à l'extérieur du village de Garbé Malokora avec sa mère Kadi. Le soleil brûlant est impitoyable. Il fait 40 degrés à l'ombre. La scène rappelle les temps bibliques. La vie est terriblement dure ici, en particulier pour les enfants. 1 sur 4 d'entre eux mourra avant d'avoir 5 ans. Ramatou n'est jamais allée à l'école et n'a jamais vu de médecin. Elle devrait être en train de jouer avec des amis, mais à la place, elle travaille dur sous un soleil de plomb. Elle égrène un petit épi de maïs que sa mère a pu ramasser. Ce sera le seul repas de la journée pour cette famille de 4. Ramatou passe la plus grande partie de la journée à surveiller ses frères pendant que sa mère cherche un travail quelconque pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Voilà ce que les villageois appellent le temps pauvre, ce temps de l'année où les familles manquent de nourriture. Néanmoins, on devra attendre encore des mois avant la prochaine récolte. J'ai peur que nous n'ayons pas assez de nourriture et que mes enfants souffrent de la faim. Chaque morceau de grain est précieux et est conservé dans la maison familiale. Tout est soigneusement rationné. Malheureusement, les choses ont encore empiré aujourd'hui. Ramatou a fait une découverte horrible. La chèvre des voisins est entrée dans la maison et a mangé toutes les réserves de grains de la famille, c'est-à-dire leur nourriture pour la prochaine semaine. Il ne restait à Ramatou qu'à tamiser patiemment le sable pour essayer de trouver les grains de maïs qui auraient pu être oubliés. Elle trouva suffisamment de grains pour faire 1 ou 2 petits repas, mais personne ne sait d'où viendront les prochains repas. Vision Mondiale a récemment commencé à travailler dans cette région reculée et est venue rendre visite à la famille de Ramatou. Comme beaucoup d'autres enfants du village, Ramatou est affaibli par la faim. Son estomac distendu et la couleur orange de ses cheveux sont les signes les plus évidents de la malnutrition. Ce sont les signes avertisseurs de ce qui s'en vient. Une évolution progressive de la faiblesse et de la maladie, voire la mort. On a aussi découvert quelque chose d'inhabituel. Ramatou et ses frères ont tous les doigts palmés, un fait génétique rare qui complique les tâches les plus simples. Une chirurgie élémentaire aurait vite fait de corriger ce problème, si on pouvait y avoir accès. La malnutrition menace dangereusement ses petits frères. Ils sont tellement abattus par la faim qu'ils arrivent à peine à rester éveillés. Ramatou et ses frères souffrent eux aussi de diarrhée chronique, une maladie qui, chaque année, tue 2 millions d'enfants dans le monde entier. Dans ce pays où une fille sur 4 seulement va à l'école, Ramatou pourrait bien ne jamais apprendre à lire un livre ou à écrire son nom, et elle pourrait finir par être forcée à se marier très jeune. Sa mère caresse le rêve que sa seule fille devienne un jour enseignante et qu'elle ait un avenir meilleur. Mais elle se demande bien comment cela pourrait se réaliser. La vie ne devrait pas être comme ça pour une petite fille comme Ramatou. Comme les enfants de partout ailleurs, elle mérite d'être en santé, de fréquenter l'école, de rire, de jouer, d'explorer et de rêver, d'être un enfant, quoi, tout simplement. Chaque jour, plus de 29 000 enfants meurent parce qu'ils ne mangent pas à leur faim ou parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Et dans beaucoup d'endroits comme celui-ci, ce sont les petites filles qui souffrent le plus. Quand je regarde dans les yeux tous ces enfants que je rencontre, ils me rappellent tellement les enfants de chez nous. L'innocence, la joie, ce potentiel unique et merveilleux que chaque enfant porte en lui. En tant que parrain de Vision Mondiale, vous pouvez débloquer ce potentiel et aider un enfant à devenir tout ce qu'il est. Alors n'hésitez pas, appelez dès maintenant. Chut.
La question que j'entends le plus souvent à propos des organismes qui œuvrent à l'étranger, c'est « Est-ce que mon argent va vraiment servir à quelque chose? Est-ce qu'un dollar peut aider à changer la vie d'un enfant? » Eh bien, je me trouve ici en Afrique et je peux voir de mes propres yeux tout ce que Vision Mondiale accomplit pour les collectivités et les familles. Et par-dessus tout, je peux voir l'étincelle qui brille dans les yeux des jeunes enfants qu'on a pu aider. Il y a 7 ans, Éric Gaudry a commencé à parrainer Mariatou par l'intermédiaire de Vision Mondiale. Sa vie et celle de ses proches ne sera plus jamais la même. Quand Éric Gaudry a vu une émission télé de Vision Mondiale il y a 7 ans, il a téléphoné et a dit qu'il voulait parrainer un enfant de la région la plus pauvre du monde. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à parrainer Mariatou au Mali et n'a jamais regretté sa décision. J'entends parler d'elle une ou deux fois par année. Elle m'écrit des lettres du Mali et elle m'envoie des photos. Et j'ai reçu dernièrement, d'ailleurs, avant son anniversaire, une photo d'elle où elle est très bien, épanouie, avec des vêtements magnifiques, colorés. Et elle m'annonce qu'elle va maintenant à l'école parce que le programme de Vision Mondiale dans son village a réussi à ouvrir 3 salles de classe, un centre de santé, autre chose dont je ne me souviens plus. Donc, c'est fantastique. Moi, j'ai des enfants, mais là, c'était quelqu'un que je voyais sur une photo et qui comptait sur moi quelque part. Et j'avais envie qu'elle puisse compter sur moi. Mais j'étais très heureux, finalement, de faire quelque chose pour des gens qui avaient moins de chance que moi. Et surtout pour des enfants. Et elle m'écrit des petits mots. Alors ça, c'est... Je sens que je fais pas quelque chose pour rien. Que je fais quelque chose d'important pour une petite fille en Afrique, dans un pays qui s'appelle le Mali. Pendant sa visite au Mali, notre équipe a passé quelques temps avec Mariatou et a rapporté à Éric au Canada une copie de la cassette vidéo. C'est elle, là, c'est elle. Grâce à l'aide de Vision Mondiale et d'Éric, Mariatou est heureuse et en santé. Elle a accès à de l'eau propre et sa famille est capable de cultiver suffisamment de nourriture pour traverser la saison sèche. Alors, de l'eau potable, c'est très rare en Afrique. Alors, Vision Mondiale a aidé à construire ce puits ici. Et la prochaine étape, c'est avoir une pompe. Très lourd, wow! Mariatou fréquente également une école construite par Vision Mondiale. Alors la pluie devient neige, comme des gouttes d'eau qui deviendraient des petites étoiles blanches. C'est très joli. Hein? Mais pour Mariatou, une des choses les plus précieuses dans sa vie est sa relation avec son parrain au Canada. Ils m'entendent souvent à la radio. Donc, ils travaillent dans les médias. Très content. Alors, Éric, on a quelques surprises pour vous. Mariatou et sa famille ont fait des petits cadeaux. On a celui-là. Et celui-là aussi. Et ça, c'est des coris. Et c'est Mariatou et sa mère qui ont ajouté ça pour que ça soit un instrument. Et souvent, ils emploient cet instrument à des mariages. Magnifique. Magnifique. Quel beau cadeau. Magnifique. Ça m'a ému beaucoup. Et de la voir en santé, de la voir prendre de l'eau dans un puits, et enfin de la voir à l'école, c'est émouvant, je dois dire. Et je suis extrêmement content. C'est quelque chose. C'est énorme. Énorme. Je n'ai jamais senti que mon argent allait pas au bon endroit. J'ai jamais pensé ça. Mais j'ai jamais été aussi certain aujourd'hui que mon argent, l'aide que j'apporte, va au bon endroit. Vous comprenez? Alors ça, ça fait du bien. Moi, la confiance en Vision Mondiale est totale. Je dirais à quelqu'un qui a envie de parrainer un enfant de ne pas hésiter. Pas une seconde. Que l'aide qu'elle va apporter va aller à la bonne place. C'est évident.
Vous savez, j'ai pu réaliser mon rêve de travailler à la télévision grâce aux nombreuses personnes qui ont cru en moi et qui m'ont soutenue et aidée tout au long du chemin. Je n'aurais jamais pu y arriver toute seule. Alors imaginez tout ce que votre encouragement peut faire, votre amour et votre soutien peut apporter à un enfant que vous parrainez. Il y a un an, avec Vision Mondiale, j'ai commencé à parrainer une petite fille du nom de Similenko Somoyo. Sa vie et la mienne ne seront plus jamais les mêmes. Je vous en prie, faites comme moi, n'attendez pas. Changez une vie, changez la vôtre. Décrochez le téléphone et parrainez un enfant maintenant. Vous n'allez pas le regretter. Vous avez probablement déjà pensé parrainer un enfant. Eh bien, agissez. C'est le moment d'appeler. Plus que jamais, des enfants attendent un parrainage de Vision Mondiale. Le parrainage d'un enfant lui assure des soins de santé adéquats, une éducation et de l'eau potable. Votre parrainage peut également aider toute une famille à cultiver ses aliments ou à pourvoir aux besoins urgents. Vous faites réellement une différence dans la vie de ces enfants, car vos dons et ceux des autres parrains et marraines servent directement à combattre la pauvreté à sa source. Vos dons aident la communauté à prendre soin d'elle-même. Vous pouvez faire tout ça pour environ 1 $ par jour. Faites confiance à Vision Mondiale. Vision Mondiale aide les enfants depuis plus de 50 ans. Des centaines de milliers de Canadiens ont parrainé et parrainent un enfant avec Vision Mondiale. Lorsque vous appelez, vous pouvez choisir de parrainer une fille ou un garçon, choisir son âge et même son pays d'origine. Dans quelques jours, vous recevrez une trousse de parrainage accompagnée d'une photo en couleur et de l'histoire personnelle de votre enfant. Vous obtiendrez également une brochure qui répondra à vos questions et un rapport financier expliquant l'utilité de vos dons. Mais ce n'est que le début. Bientôt, vous recevrez une première lettre de votre enfant qui vous en dira un peu plus sur sa vie. C'est le début d'une relation qui changera votre vie à jamais, à tous les deux. Nous vous enverrons des cartes de souhaits personnalisées à signer et à envoyer à l'enfant que vous parrainez. Vous recevrez, par exemple, une carte de Noël, un ensemble scolaire pour le début de ses classes et un petit cadeau pour son anniversaire. Il vous sera ainsi facile de rester en contact avec lui. Nous vous enverrons aussi un rapport annuel de ses progrès scolaires et une nouvelle photo chaque année. Vous pourrez constater à quel point votre enfant bénéficie de vos dons et vous chérirez chaque lettre qu'il ou qu'elle vous enverra. Faites votre don au moyen d'une carte de crédit ou de chèque mensuel. Ce moyen simple et pratique permet à Vision Mondiale d'éviter des frais et de mettre plus d'argent au service des enfants. Parrainer un enfant s'avérera peut-être l'expérience la plus enrichissante de votre vie. Sachez qu'en tout temps, vous pourrez annuler votre parrainage et soyez assuré que vous aurez fait une différence. Allez-y, les téléphonistes attendent votre appel. Prenez le téléphone et parrainez un enfant. Faites une différence qui durera toujours. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et j'ai voyagé dans le monde entier. Mais ce voyage-ci a été différent. Ça a changé ma vie et mon cœur. Je veux faire tout ce que je peux pour amener le plus de gens possible à parrainer un enfant avec Vision Mondiale. Ces enfants ont besoin de nous. Leur avenir dépend de nous. Si vous avez le sentiment d'avoir été gâté par la vie, si vous voulez témoigner votre reconnaissance, voici l'occasion de rendre ce que vous avez eu. Appelez dès maintenant. Changez une vie et changez la vôtre. Pour toujours. Merci et au revoir.